Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la phase test de la 7.10 de World of Warship qui va principalement tourner vers l'événement Halloween avec quelques petites nouveautés. Alors tout d'abord, ce que nous ne pourrons pas voir dans ce test, les nouveaux destroyers anglais qui sont bientôt disponibles mais pas encore. Le gameplay des porte-avions qui apparemment n'a toujours pas changé. Petite nouveauté maintenant, nous avons une chaîne journalière de connexion avec des gains qu'il faudra aller chercher chaque jour. Pour le reste, ben pour l'instant, toujours Royal Navy qui est en test, mais enfin voilà, on la connaît déjà. Alors, qui dit événement des nouveaux ports, donc nouveau petit port pour cet événement Halloween 2018, avec quelques animations, monstres, châteaux, etc. Le conteneur spécial pour Halloween. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus, donc l'événement. Alors, tout d'abord, le nouvel événement. Également la possibilité de refaire les anciens événements. Certains avec deux niveaux de difficulté, donc un niveau normal et un niveau difficile. Donc le nouvel événement se fait avec un sous-marin. Pour les autres, c'est voilà, le sous-marin. Donc deux armes de torpilles. Vous avez deux types de torpilles à lancer. Également de l'artillerie, mais qui tire toute seule. Défense aérienne. Même chose, et comme vous pourrez le voir plus tard dans la présentation, la possibilité en fait, donc avec le sous-marin, de naviguer en surface ou en profondeur. Et pour les événements donc 2016 et 2017, ben c'est pas difficile, ce sont les navires que on a déjà utilisés les années précédentes pour ces événements. Donc le nouvel événement porte le doux nom de Horror of the Deep Blue Sea. Il se joue donc en sous-marin. Alors ben voilà, deux boutons, le E pour être en surface et que je ne dise pas de bêtises, le Q pour être en profondeur. Lorsque vous êtes en sous l'eau, vous lancez vos torpilles, ben, même système que pour les V anglais. Et lorsque vous êtes en surface, là, votre cône est plus grand. Il semble qu'on les lâche aussi une par une. Vu qu'il n'y a pas d'amélioration sur le navire, il n'y a que le commandant en fait que vous pouvez améliorer pour accélérer la vitesse de vos torpilles, la distance et tenter de survivre un peu plus. Votre artillerie, donc bah, quand vous êtes en surface, elle tire toute seule. Donc, voilà. Et une à la fois. À savoir que le navire remonte de lui-même à la surface à certains moments lorsqu'il n'y a plus suffisamment d'oxygène. Bah, cette nouvelle opération fera l'objet d'une autre vidéo beaucoup plus complète et un peu plus le fonctionnement
de l'opération ainsi que des sous-marins. Et donc, au niveau des porte-avions, comme dit au début de la vidéo, pas de changement. Pour l'instant, au niveau du gameplay, on a toujours tous nos avions disponibles en même temps, que ce soit les chasseurs, les bombardiers ou les torpilleurs. Toujours le même principe de vue, de déplacement. Aucun changement en vue à ce niveau-là pour l'instant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une présentation plus complète de l'événement 2018 Halloween et pour d'autres vidéos. Au revoir.